Hello, comment ça va YouTube? J'ai très mal aux fesses. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la motte. Donc j'étais allée à la motte cet été pour filmer Léa de la chaîne Les Poneys de Lélou qui l'a fait avec Soleil. Et je suis allée du coup lui faire un reportage de son la motte. J'ai pas pu le faire avec Blanc parce qu'il avait une petite santé et j'ai pas voulu forcer dessus même si j'avais l'accord du veto. Mais je compte bien y aller l'été prochain d'ailleurs, soit dit en passant. Donc pour une vidéo super bien filmée, super jolie, super bien montée. Vraiment très très sympa à regarder, je vous invite à aller regarder le vlog de Léa, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous invite à aller le voir à la fin de cette vidéo. Et ici vous allez avoir un petit behind the scene, c'est vraiment une vidéo pas très construite, c'est un peu un mess mais c'est plein de scènes de vie, de trop beaux souvenirs et ça me tenait à cœur quand même de vous la publier cette vidéo parce qu'il y a, plein de choses en fait, de trop bons souvenirs, de trucs qui m'ont fait trop rire et de moments qui vont rester gravés. Je me suis trop éclatée, c'est la première fois que je mettais les pieds à la motte avec une équipe de choc et c'était vraiment génial. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, à vous abonner bien sûr et à me dire si vous étiez présent à ce fameux la motte édition 2019 et si on s'est croisé par hasard ou pas. Bon, après quelques jours de recherche et de hacking, j'ai trouvé l'adresse de Léa. Je me suis infiltrée dans son jardin. Regardez, c'est le vrai soleil. Et je vais le voler, comme ça il ne pourra pas faire la motte. Et ouais, parce qu'en fait il aime pas. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un filet vite fait. Je n'ai pas trouvé des rennes, j'ai pris des rennes allemandes, c'est pas grave, ça fera. Là j'y vais à pied parce que je suis un peu dans les champs. Et dès que je serai un peu plus cachée, je monte dessus à cru, je me casse. Allez, plus de poney. C'est bon, je me casse. Merde, mais vite, vite, mon poney. Heureusement que je pars dans la motte demain. Oh yes. C'est toujours le mien. On est folle, ça. Bon, du coup, on a installé le campement. Enfin, ils ont installé. Moi, je suis arrivée le lendemain, Bennett. Et on a été faire des petites courses. Il fait super chaud. Je suis pas du tout du style à me plaindre de la chaleur. Mais il a 42 degrés. Alors qu'on est dehors et qu'on peut pas du tout se mettre à l'abri dans une maison au frais ou quoi que ce soit. C'est hyper dur. Genre, on est assis sur les chaises, on transpire. Il n'y a que quand on va dans le beuveron que c'est à peu près supportable. Mais bon. Du coup, j'ai fait les cours, j'ai acheté plein de trucs et comme il y a un chien, j'ai acheté un truc pour le chien. Lorraine a mis des bêtes. Est-ce que c'est pas gênant de vlogger devant des gens qui te regardent comme ça? Alors, le truc qui est bien, c'est qu'en fait, il y a trois couples et moi. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez pas entendu, je vais couper cette scène. Je vais couper la scène. Gucci, c'est pour qui ça? Qui ça? Oh. Regardez le stress de la coach. Elle est plus stressée encore que midi, je suis sûre. Ah. On l'a perdu. Ça m'a mis les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. Bon voilà, du coup là on a marché jusqu'à au bout, du parc, bout de la terre, pour le dressage de Léa. Tout le monde est stressé, tout le monde va encore pleurer. Oh, ça se voit, hein. Tu vas pleurer toi?
Ah, je sais pas. Eh, j'ai chaud. Si, tu vas pleurer. Mais non, mais elles vont être chaudes. Flemme. Super vidéo. Ah. Attends, j'aime pas parler de tension comme ça. J'ai posé mon bras parce que je suis toute seule. C'est ça. Je vais poser mon téléphone parce que je filme également pour sa vidéo. Du coup, priorité à sa vidéo. Et ton portable a surchauffé. Et mon portable a surchauffé et j'ai plus beaucoup de batterie. Donc bon, je la reprendrai au camp. Super, super, super. Ouais. Opération piscine. Bon, du coup, après s'être posé longtemps dans la piscine, petit panier Nutella qui coûte un bras, et on se balade dans les stands. Bon, et ben, petit orage. Un beau ciel bleu dégagé. Léa, c'est la seule contente de l'orage. Nous, on a juste peur que tout s'envole. Mais non, mais ça bouge. Ça bouge de fou, hein! Non, le barnum, moi j'ai peur. Non, mais moi le barnum, je vais pas le lâcher en fait. Enfin, faut s'accrocher dessus parce qu'il va s'envoler le bazar, hein! Oh là là! Oh mon dieu! Ah oh, ouais, c'est chaud! Attends, je vais aller leur remettre en vrai, c'est bien. Oh putain! Elle est où? Ah, ça y est, ça s'est tout cassé la gueule, putain! Oh misère! Tu vois la meuf là direct. Oh là là, là, là tout s'envole. Il faut le coucher. Léa, elle est trop contente du carnage, elle filme dans son vlog. C'est l'apocalypse. Tu veux faire une vlogception, Léa? Je veux faire un vlog qui buzz. Vlogception. Ouais. En vrai, j'ai un peu peur. Il est toujours debout. Oh là 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 là, misère. La Motte, apocalypse. Alors, barnum à terre. Barnum à terre. Barnum debout. Bon là, on commence quand même à flipper un petit peu. Ah, s'il y a un éclair, on est mort là. Vous savez qu'on se tue et il y a des éclairs de l'eau. Ah ouais, bah en même temps. Mais je m'en fous, on descend, on veut partir. On va s'envoler, Léa, si on lève pas le toit. Bah on retire le toit. On retire le toit. Regardez combien on est dans une super petite tente. On a vu ça. Les 4 ans, vous êtes au top, franchement. Et ça dit en passant, on n'a plus de barnum non plus. Hein. Ah, je suis dans le zard. Là, le nôtre a fini par s'écrouler également. La Motte, c'est aussi faire la queue aux douches le soir avec un petit sunset derrière. Quand ça va, il n'y a pas grand monde qui fait la queue. Il est 22h. Première minute avec avant le 4. Tu galopes, sur les sables. À gauche. Tu tournes le coffre numéro 6. Un peu de biais. Tu pars par là. De la piscine. Ensuite. Vas-y, fais le guet. Après. Enlève tes chaussures. Okay. Tu le fais, enlève tes chaussures et tu non, le fais. Je l'ai fait des chaussettes avec des chaussures. Et ben, t'enlèves tes chaussures. Ensuite, t'as le 7. 7A. De travers, comme ça, tu vois. Comme ça, tu fais. Ouais, il est parallèle ça. Ensuite, le coulé en face, directionnel. Et ensuite, l'autre obstacle dans l'autre sens. Deux coulées en face, tronc de biais pareil, mais l'autre biais. Tu galopes. Et deux coulées entre chaque. Tu montes. Sur tous les trucs. Tu descends. Sur le B, mais
Le 8. Après tu galopes, tu galopes, tu galopes. Attends, 8, deuxième minute. Tu galopes encore. Tu tournes, tu rentres dans le nez, comme ça. Tu fais exactement ça. Tu passes là et tu fais ça. Oui, passe là, passe là. Tu es dans la piscine. Non. Ensuite tu sors tes dents. Ensuite tu galopes, tu galopes, tu galopes. Coupe. Là, tu arrives dans le nice. Tu galopes dans le gué, tu montes la montagne, tu galopes dans le gué. Tu montes la montagne. Ça, c'est pas une couille, c'est une montagne. C'est montagne, franchement. 11A. Par là, comme ça. 11A. Tu tournes. 11B. Tu descends. 11, c'est la pente. Et là, tu galopes. Tu galopes. Et tu cries. Ouais, ouais. Non. Ouais. Y a le allez, fais. Et là, tu lâches tout, tu tombes par terre. C'est tout. J'ai dit, tu l'as fait. À la ligne d'arrivée, tu fais. Non, ouais, tu lâches tes rênes après la ligne d'arrivée. Parce qu'à tout moment, il y a des trous, il se casse la gueule. Et à l'arrivée, t'as la flaque d'eau. Le et là, pile, tu lâches. Ah, pas la flaque d'eau, il passe pas dans la. Et voilà comment réviser votre reconnaissance du cross avec Léa. C'était éprouvant. Donc là, on est le jour du cross pour Léa. Et bon anniversaire. Le cross, c'est leur épreuve, c'est là qu'ils s'amusent le plus. On arrive pour la boucle, la pointe. C'est bon, je peux parler. Non. Du coup, le cross, c'est leur épreuve. Oh. Ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est leur épreuve, c'est là-dessus qu'ils se régalent. Hop. Je vais péter un plomb. Je crois que je vais jamais y arriver. Ça y est, on arrive. Donc le cross, c'est leur épreuve, c'est là-dessus qu'ils s'éclatent, c'est là-dessus qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir et qui sont performants. Donc celui-là il a l'air très très difficile avec deux tripes, beaucoup de guets, le terrain qui va sûrement être détrempé et labouré par les autres chevaux. Donc on espère que ça va bien se passer, on croise les doigts. Oui. Ah, je me suis fait piquer par une bête. Ah, je me suis fait piquer par une abeille. Ça. Allez soleil. Allez. En arrière, en arrière, en arrière. Ouais. Voilà la motte. La motte catastrophe. Mais non, mais oh, un peu de politesse. Voilà. Voilà. Hey. Plus personne va bien. Petit passage chez Time Rider. On est fatigué. Ça va Pierrot? Oh non, non, là c'est pas une gamelle. C'est pas alors là. Oh là là. Bienvenue chez Time Rider Platinum. Celle-là c'est. Un stand aussi cool? Non. Non, non. On est sur les first l'année prochaine. Regarde Léa, cette jeune fille n'ose pas venir te voir. Ouais, c'est mon blanc. Oui, c'est ça, je filme pour son vlog. Mais elle, regardez, elles sont juste là, allez les voir. Allô. Quoi? Ah putain, on est enfermé dans une tente. Il y a le téléphone de Benjamin sur les frigos. Ouais, mais sur les frigos ça va, non? Ah, il n'y a pas les fenêtres. Oh non, je vais devoir partir en mission sauvetage. Bon, allez, vas-y. Vais chercher. Elle va chercher. Oh, ils sont là! Ah, yes! Sauvez le téléphone! Le téléphone de Benjamin! Sur le frigo! La mode beuvron. C'est la canicule, puis la pluie. La mode pluie. Je suis sortie exactement
5 secondes, même pas. Je suis trempée. Oui. Léa pédale, puisque Léa, passion vélo, passion connerie aussi. Comment je vais descendre? Mais t'inquiète, je vais m'arrêter. Attention, petit passage dans le gué. Oh my god. On va tout casser. Passage de gué. Passage de gué. Concluant. Oh, j'ai trop peur. Elle va me tuer. Attention. Pardon le camion, c'est bon. Faites pas demi-tour. Je dois pas avoir une tête très rassurée. Go. J'ai la barre de ton vélo entre les fesses. C'est comme la colonne vertébrale d'un cheval, on s'en bat les couilles. Oh putain, là il y a du sable. Oh, c'est bon, oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, hey Paris. Tu cadres rien du tout toi. Je cadre, t'as entendu? Ça les poney de loups. Ah oui, avec. Mais au calme, au calme, Zer. Et on tape une pointe. Sa mère est en bas. On fait le tour de France. Comment on va descendre? Attends, attends, attends. Pas de panique. C'est bon.